moi c'est Sandra, la fille en bleu là. J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une idée de coiffure. C'est tout simplement quatre nattes qui vont se rejoindre et donner deux nattes à l'arrière. Non, ça va donner quatre nattes à l'arrière. Bref, je pense que les images sont assez claires. Je vous ai montré cette technique dans une autre vidéo. Je vais vous mettre juste en haut là, dans le petit i, et là vous pouvez voir de plus près. Mais là aussi, je montre aussi de plus près, pardon, la technique que j'utilise, c'est en fait le fait de passer les mèches à chaque fois en bas pour que ça donne cette illusion là, en fait, qu'on n'a pas mis d'extension. Pourtant, on l'a fait. Et voilà, je pense que les images sont très très explicites. Il faut juste regarder ce que je fais. Et voilà, je voulais aussi préciser que c'est tout simplement une coiffure. Ce n'est pas une coiffure protectrice, ce n'est pas une coiffure quoi quoi quoi. C'est tout simplement une coiffure. Aline avait envie de changer de tête, elle avait bien envie de se faire une coiffure et je l'ai coiffée. Ce n'est pas du tout une coiffure protectrice. D'ailleurs, c'est quoi une coiffure protectrice? Toutes ces coiffures qu'on dit protectrices sont des coiffures qui sont pour la plupart du temps destructrices. Et je suis en train de préparer une série de trois vidéos pour vous expliquer vraiment en détail pourquoi je dis que toutes ces coiffures presque elles sont protectrices et quoi 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 là, c'est en fait le contraire. Ça ne protège rien, au contraire ça casse les cheveux. Et voilà, donc je vais vous laisser regarder la vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas, en tout cas, comme je le dis toujours, on ne sait pas. Et vous voyez que pour faire cette coiffure, au début, je fais d'abord je natte d'abord en fait ses cheveux sans prendre de mèche, parce que quand vous mettez la mèche directement au début de la tresse, ça arrache en fait vos cheveux. Donc évitez ça, nattez d'abord une certaine partie, et vous n'êtes pas obligé de prendre tous vos baby hair pour qu'on puisse dire que la coiffure est jolie et que ça vous va bien. Si vos cheveux de devant sont très courts, laissez-les tranquilles. C'est pas obligé qu'on arrête ça, en fait. C'est pas obligé. Et si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte Mekuzor, dernièrement je vous ai mis quelques photos et vidéos d'une amie en fait qui a fait des passe mèches et qui a en fait eu beaucoup de casse à l'avant, justement parce que on avait arrêter ses cheveux, on avait serré et bonjour les tempes des garnis. Et à la fin, on va dire que non, ce sont nos cheveux, ils s'arrachent et tout. Arrêtez souvent de voir à l'œil comment vos coiffures arrachent vos cheveux et après vous dites que non, ce sont vos cheveux. Donc faites attention à ça et on ne sait pas. Et c'est pas parce que c'est serré que c'est joli à voir quoi. On ne sait pas les cheveux. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est cute, non? Oh, regarde comment c'est joli. Il est toute belle. Oh. J'aime trop son sourire, Aline. Ok, je vous laisse regarder la vidéo en paix. J'ai pas mal de trop. Bye.
Dena okwinde ya Mwana tondi noe Pipita la longe la nye Wanye nana na mseno Longe le se Eme yamba na tuwe la blese Na denga mye seso Dola mwo Eme yamba na tuwe la blese Na denga mye seso Dola mwo Hello, c'est encore moi et vraiment regarde comme c'est sublime, c'est très très beau et je vous ai pas dit mais j'ai utilisé ce même gel là que j'avais utilisé dans ma vidéo où je fais un look inspiré de Beyoncé. Je vais aussi vous mettre le lien de la vidéo en haut et c'est justement ce gel, je l'aime beaucoup parce que ça ne laisse pas de résidus et je l'adore quoi. Et voilà, je trouve la coiffure cute. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je me suis même trompée. En fait, c'est 3 devant. C'est 3 devant et 2 derrière. Oh, sorry, sorry. Voilà, désolée. Hein. C'est 3 devant et ça se joint derrière. Bref, c'est un modèle un peu là. Bref, je pense que vous avez vu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça tellement cute. J'ai aussi envie de me faire ça, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te coiffer en respectant tes cheveux. Bon, nous voici à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça sublimissime. Vraiment magnifique. Oh, elle est toute belle, ma chérie. Et en passant, je vous offre une heure de coaching 100% gratuite. Vous allez trouver le lien dans la description. Vous allez mettre votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. Voilà, le lien c'est dans la description. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao, bisous. Mouah!